Solennel, émouvant, impressionnant, tous ceux qui ont siégé autour de la table ovale du Conseil des ministres le reconnaissent, la toute première fois reste un moment unique. Intimidant. Assez émouvant, un premier Conseil des ministres, c'est pas rien. C'était passionnant, voilà. Je suis en train de vivre une page d'histoire de ma vie. Mes petits-enfants, mes ancêtres diront « Le grand-père, il a été ministre ». Mais naturellement, on fait comme si on était habitué de tout ça. Décontraction affichée, surtout de la part de ceux qui n'en sont pas à leur premier portefeuille. Il y a vraiment le côté les sixièmes et les troisièmes, quoi, voilà. Le Conseil des ministres se tient au rez-de-chaussée de l'Élysée, à huis clos. Mais pour immortaliser la nouvelle équipe, les caméras sont autorisées à filmer le tour de table. Il y a ceux qui se découvrent, qui sont du mauvais côté. Tous ceux qui sont du côté du Premier ministre vont être vus de dos. Alors vous voyez, ils sont tous d'ailleurs un peu à tourner la tête pour qu'on les voit aussi. Nicolas Sarkozy souhaitait une ambiance plus décontractée, mais depuis le général de Gaulle, qui en a instauré les codes, le Conseil des ministres reste un lieu de pouvoir où règne une certaine solennité. De l'amitié, mais pas de familiarité. Une fois les portes du Conseil des ministres refermées, plus rien ne doit filtrer des débats. Seul le secrétaire général de l'Élysée et le porte-parole du gouvernement sont autorisés à prendre des notes.